but it was a very personal story. A very personal story. You, Arthur, take this woman, Catherine, as your lawful wedded wife, to love, honor, and cherish henceforth? I do. Well, put the ring on her finger. By virtue of the power vested in me, I now pronounce you husband and wife. Nick had come to New York during the depths of the Depression, when life was very strange, sort of rather desperate, and at the same time extremely hopeful, and there was almost no limit to the dreams one could have, because everything was so terrible that everything was dreams. Having fun, Mr. Logan? I couldn't sleep. That stuff help any? Makes the night go faster. What's keeping you awake? Dreams. Bad dreams. Et je crois que c'est le seul film... C'est le seul film dans lequel j'ai vu traiter un thème qui est très intéressant dans un certain stade des relations amoureuses, qui est l'amertume. L'amertume de gens qui se sont aimés, qui ne s'aiment plus et qui se revoient. Et je crois qu'aucun film n'a traité ça aussi bien que Johnny Guitar. As a character, I guess he's something like the parole officer in Rebel. Always caring for young people, and he's been like a father to us. Almost all his best pictures, actually, have been about people whom society was oppressing and society was crushing, and who were almost doomed to be defeated by society. Well, Nick himself is not altogether outside that category. Il y avait quelque chose d'européen chez cet homme d'Hollywood, en fait. Et qu'est-ce qu'il y avait d'européen? C'était peut-être la fragilité, la vulnérabilité des personnages principaux. Bien qu'il tournait quelquefois avec des vedettes comme John Wayne ou Humphrey Bogart, et ces personnages masculins n'étaient pas macho ou Sterling Hayden. Il y avait cette grande sensibilité. Et surtout dans le traitement, je dois dire, des histoires sentimentales, qui donnait une impression de très grande réalité, à une époque où le cinéma d'Hollywood n'était pas facilement personnel ou autobiographique. On avait toujours l'impression que les histoires d'amour dans les films de Nicolas Ray étaient des histoires vraies. Hey, it's all over. The world ended. What does he know about man alone? La 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 la
looks through his window side. He sees the things.